tunaweza kushangilia Bwana Yesu. Ces choses ne sont point aveugles. Il ne voit pas de loin. Na yeye haone mbali. Il
Je vous assure. Anasema na wahakikishia. C'est une affirmation. Maana ni kuhakikisha. Une confirmation. Anahakikisha. Et je vous assure. Anasema na hakikisha. C'est une bonne chose. Kama ni kitu kizuri. Si vous avez beaucoup de patience. Kama tu nyinyi mko na uvumilivu kubwa. Et si vous faites le contraire. Na mkifanya umbali mbali. C'est une mauvaise chose. Ni kitu kibaya. Mais si vous avez beaucoup de patience. Lakini kama mko na kuvumilia mingi. Le prophète dit. Nabii anasema. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Si vous avez beaucoup de patience. Car la Bible dit, et si ces choses sont en vous, en abondance, ça ne vous laissera pas stérile, ni oisif. Amen. Et la personne qui a ceci en abondance, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, lui est largement accordé. C'est une personne pour Dieu qui n'est pas un pécheur. C'est un saint. Parce qu'il a toutes ses vertus. C'est une personne qui ne s'enflamme pas. Aussi vite quand il voit quelque chose. Parce que c'est une personne qui voit de loin. Il n'est pas un aveugle. Il ne voit pas seulement ici. Même dans son langage. Avant de dire quoi que ce soit, il examine d'abord ça. Pour voir qu'est-ce que ça va m'écouter après. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup de gens qui n'ont pas la tempérance, qui n'ont pas la patience, vous le verrez qu'après avoir posé l'acte, là il redevient un homme. Il commence à dire si je savais. Il va commencer à plaider. Pardonnez-moi. Je ne savais pas. Mais tu ne savais pas comment tu as fait ça. Tout ça pourquoi? Parce que c'était un aveugle. Écoutez ce que le prophète dit. Dans le message l'année de Jubilé. 32 à 38. Et quoi que souvent. Nous pensions. Et bien oh ça fait longtemps. Et c'est ce que nous pensions depuis des années. C'est ce qu'il pensait avant. Avant sa première venue. Et ils se sont tenus de penser la même chose. À sa seconde venue. Car la Bible a dit qu'il dirait il n'y a aucun changement depuis que nos pères se sont endormis. Mais alors à l'heure où vous n'y penserez pas, cela arrivera. Maintenant il nous incombe point. Il y a en Amérique, en tant que chrétien américain, Dieu voit nous demander des comptes pour beaucoup de choses. Car nous avons la véritable lumière de l'évangile et nous manquons d'en faire usage comme nous devrions le faire. Est-ce que fellowship vous m'entendez? Dieu nous demandera beaucoup. Il nous demandera beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons la véritable lumière de l'évangile. Et nous manquons d'en faire usage comme nous devrions le faire. La parole nous l'avons. La lumière nous l'avons. Le problème c'est au niveau de l'utilisation. Qu'est-ce que vous faites avec la parole? Quand tel problème survient, comment est-ce que tu agis? Et vous verrez que soit madame est en train de montrer ici que les gens se comportent de la même manière avant sa première venue. Les gens étaient impatients. Les gens ne supportaient plus encore de la parole. Ces choses depuis que vous les dites, ça va s'accomplir quand? Et soit madame dit c'est la même chose encore aujourd'hui. Mais Dieu nous demandera beaucoup. Nous qui avons réussi,
la véritable lumière, mais qui ne font pas bon usage de la parole. Et Fobana me dit ainsi ce soir, je désire parler aux chrétiens sur la manière dont vous pouvez rejeter votre temps de repentance et comment vous pouvez être complètement marqué n'ayant plus de part avec Christ pour avoir fait un mauvais choix. Parce que Frère Banham dit, vous devez savoir que la marque de la bête dont vous entendez parler, ce n'est pas de la tatouage. Ce n'est pas ce que vous voyez quelqu'un avec un son aussi sans son accident. Frère Banham dit que cela se fait spirituellement. Et la marque de la bête, les gens ont commencé à les recevoir depuis la Pentecôte. Madame dit que quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens commencent à recevoir le Saint-Esprit, c'est en ces temps-là même que la marque de la bête a été déjà commencé à être posée sur les gens. Et madame dit que tout celui qui rejette la vérité, tout celui qui refuse de recevoir Jésus, qui rejette la grâce que Dieu vous donne pour se repentir, vous recevez quoi? La marque de la bête. Et une fois que vous êtes scellé, ça n'est fini pour toi. Tu peux faire des histoires. Tu peux même construire cette vie. Mais si tu ne t'es pas repenti, toi tu es candidat de l'enfer. Et vous devez savoir que Dieu nous donne des occasions pour se repentir. Est-ce que je me fais très bien entendre? Dieu nous donne des occasions pour se repentir. Vous trouverez qu'il y a des gens qui s'accrochent à la sorcellerie. Les gens s'accrochent au péché. Les gens s'accrochent à l'impureté de tout cœur. Et quand on leur dit répentez-vous, ils disent ah non, toi amène-nous fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est pour les élus. Amen. Amen. Quand Dieu vous donne l'occasion de se repentir, ne rejetez pas cette grâce. Amen. 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 Mais quand même, Dieu a des enfants ici. Dieu a des enfants. Amen. Amen. Oui, des fois, je les reçois. Vous voyez, je dis quelqu'un qui vient. Vous dites, je suis venu pour te dire ma vie. Et j'aimerais que tu me connaisses. Et je suis venu mettre ma vie en ordre avec Dieu. Je ne crois maintenant. Regarde. Soi-même. En train même de pleurer. Je ne vis pas une fois. Non. Quelqu'un qui non, il faut être un enfant de Dieu pour faire ça. Ce n'est pas oh non, j'avais volé les thomsons de maman dans les marmites. Ou bien j'avais volé les pagnes de mon époux, je suis allé vendre. Non. Ce sont des choses terribles. Dieu voilà les âmes que Dieu cherche. Pas des gens qui se renferment avec des histoires. Tu vas mourir avec cela. Et tu iras en enfer. Ne rejetez jamais la grâce que Dieu vous donne pour mettre vos vies en ordre. Amen. Ce sont des choses que tu n'écouteras.
Christ. Wakati kwa kiduomba. Il a vu les saints qui nous ont déjà précédés. Akiona watakatifu walishotangulia mbele. Même le pasteur ils étaient là. Hata mchungaji alikuwa hapa. C'était là la même. Walikuwa kukumatana kumkono. Il voit tout l'église. Anaona kanisa yote. Dans la vision, vous devez vous tenir à la main comme ça. Boko na kamatana mikono hivi. Soutenez-vous. Basi msaidiane, mshikiliane. Il entend une voix dire. Namsikie. Il n'y a plus de temps. Sauti hakuna tena wakati. La sœur a prié, elle voulait même tomber là. Dada alikuwa akiomba alitafuta hata kuanguka. Lui son cœur est toujours noir. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Je répète. Narudilia il tena. N'y a plus Sikia. De temps. Hakuna wakati jamani. Mettez vos vies en ordre. Tieni maisha yenu kumustari sawa. Le temps de péché est terminé. Wakati wa zambi umeisha. Et vous vivez dans les laps de temps. Na munaishi mukongeza tuka wakati. Frère, comme ça s'est passé. Anasema kama du temps des enfants d'Israël. Wakati toa Israeli. Quand ils devaient quitter l'Égypte. Le temps était déjà wakati fini. Wakati kishaisha. Le reste des années que Dieu avait ajouté. C'était un laps de temps pour leur donner la grâce. Unanimement avec Noé. Si Noé a fait encore 7 jours avant que la pluie puisse tomber, Dieu avait accordé ce laps de temps pour que le peuple arrive à la repentance. Et frère Branham dit, il en est de même pour aujourd'hui. Le temps de l'église des nations est déjà terminé. Nous vivons dans les laps de temps. C'est ça l'expression que Frère Branham utilise. Laps de temps. Tout ça pour quoi? Pour la grâce. Amen. Amen. Pour que ceux qui veulent, tous ceux qui doivent arranger, qu'ils arrangent. Frère Branham dit maintenant ces choses sont un peu dures, mais cela doit de temps en temps être dur. Afin de nous faire apprécier le Seigneur Jésus. C'est vraiment dur quand nous le disons. Dur d'avoir la patience, la tempérance, la foi, la connaissance, la vertu, la piété, toutes ces choses. Frère Branham dit ça doit être dur de temps en temps pour vous amener à apprécier le Seigneur Jésus. Amen. Et écoutez ce qu'il ajoute encore. Il dit, un frère m'a rencontré aujourd'hui. Alors que je sortais, il a dit, frère Branham, il était accablé de problèmes financiers. Il a dit, après avoir entendu parler de pauvres gens de l'Inde et tout, a-t-il dit, pourtant tout le temps, il a dit, j'ai une bonne santé, mais je suis accablé de problèmes. J'ai dit, chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. J'ai la bonne santé, mais je suis accablé de problèmes. Et tous, nous devons simplement être éprouvés. Les souhaits de Dieu passent sur nous. Même si nous semblons être innocents, qu'un chrétien dise amen. Même si tu es comment, tous les gens que vous voyez passer par des problèmes difficiles, par des situations difficiles, ils n'ont pas péché. Il y a ceux qui sont innocents. Il n'a rien fait. Mais Dieu, lui, quand il vient, il le coince. Pourquoi? C'est son fils, c'est sa fille. Ce n'est pas la malédiction. Au moins s'il a péché. Mais s'il n'a pas péché, il peut même se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je contrôle ma vie. Là où je commets des erreurs, je mets ma vie en ordre. Mais Seigneur, pourquoi seulement moi? C'est parce que tu es le fils.
et tu es la fille de Dieu. Et Dieu est en train de tailler. Pourquoi? Pour que les qualités d'un fils de Dieu qui sont dans toi soient rendues manifestes. Parce que si tout marche bien et qu'il n'y a pas des épreuves, tu ne montreras pas aux gens la qualité du fils de Dieu, parce qu'un fils de Dieu, il est patient, gardant la foi, il est fidèle à son Dieu, il a la connaissance que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Il a la vertu, il ne s'emporte pas, il ne se fâche pas contre Dieu. Pourquoi? C'est un homme qui n'est pas aveugle, qui ne voit pas seulement ici, mais il voit de loin. C'est pourquoi vous verrez Noé. Quand les hommes
l'enfant revient, kwa nini mtoto anarudia? Il y a une relation de parenté. Kuna ile wasiliano wa kizazi wa ubaba. L'enfant reconnaît que malgré le fouet là, mtoto anajua hata ajalishi le fimbo hii. C'est lui qui peut encore me dire c'est fini. Ule ataniambia basi binaisha. C'est seulement celui qui m'a huyu tu alinipiga hapa. Ah, est-ce que vous comprenez quelque chose? Et tu m'as l'air kitu moja pale. C'est pourquoi dans les épreuves, gardez la patience. N'allez pas loin de Dieu. Retournez vers lui. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est le même Dieu là qui a permis que l'épreuve vous arrive. C'est celui là qui vous donnera encore la solution. L'espérance ne rend pas confiant. Vous y êtes. Voyez-vous.
ne rend pas confit. Et nous avons l'espérance ce soir. Dans toutes nos tribulations, elle agit toujours. Les tribulations nous rendent patients. Attendant la venue du Seigneur. Nous sommes toujours patients. Parce que nous savons très bien que notre Seigneur fera quelque chose. C'est pourquoi, ayons beaucoup de patience à deux. Et mes frères et sœurs, ces vertus dont nous parlons ici nous amènent à ce que vous êtes censé être. Amen. Amen. Donc quand vous avez ces vertus, ça vous amènera à ce que vous êtes censé être. La qualité du Fils de Dieu se manifestant en vous. Quand vous avez cela, quand vous avez cela en abondance, les gens verront la qualité du Fils de Dieu en vous. Amen. Amen. Et les gens pourront regarder et dire, si on peut parler des chrétiens, c'est telle personne. Il est vraiment un chrétien. La stature de non parfait. Page 43. Je prends les derniers paragraphes. Et lui maintenant, si vous avez cette sorte de patience, après que Dieu vous ait donné une promesse et que vous l'ayez vu dans la Bible, c'est à moi. Alors attendez. Vous voyez la promesse dans la Bible. Vous savez que c'est pour vous. Et Dieu vous a donné cela. Si vous avez de la patience, vous allez attendre l'accomplissement de cette promesse. Alors si vous avez cette sorte de patience, joignez-la à votre foi. Vous voyez à quelle hauteur vous arrivez maintenant. Page 44. Il dit, vous arrivez ici, tout en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, et quand vous êtes en train d'ajouter ce vertige, en quelque sorte, vous êtes en train de monter au ciel. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Frère Branham dit que Dieu traite avec nous que sur le terrain d'adoption. Et l'adoption, c'est ça. Quand vous êtes sur ce terrain-là, Dieu traite avec vous. Cela vous amènera jusqu'à entrer dans la pierre de fête. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes au ciel. Monte ici, Jean. L'épouse peut entendre cette voix à n'importe quel moment. Et plus vous êtes en train de recevoir ces vertus, vous montez haut. Amen. Amen. Vous êtes sur un terrain que Dieu peut traiter avec vous. Est-ce que ça entre très bien? Seigneur, traite avec moi. Tu es sur quel terrain? Et Fabano dit maintenant très bien. L'aiguille de la pendule tourne bien aussi. L'aiguille de la pendule. Il est Sindano. Tourne. Ah, ok. Il est bien aussi. Vizuri. Il est très bien, joignez ceci à votre foi. Le plaçant lui toujours devant vous. Vous rappelons que c'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas moi qui l'ai promis. Ce n'est pas le pasteur qui l'a promis. Ce n'est pas un autre serviteur qui l'a promis. Ce n'est pas un prêtre ou un pape. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et Dieu peut tenir tout ce qu'il a promis. Il est très bien. Si vous avez cette sorte de foi et que vous savez que Dieu l'a promis, vous direz, frère Branham, je suis malade, j'ai tellement besoin de guérison.
Acceptez-la. C'est un don qui vous est fait. Certainement. Si tu peux croire, et bien direz-vous, je le crois effectivement. Alors oubliez ça. C'est tout. C'est entièrement terminé. Voyez-vous, ayez de la patience. Donc vous êtes malade, vous voulez la guérison, vous devez juste l'accepter. Une fois que vous acceptez, oubliez la maladie, ayez la patience, et Dieu manifestera votre guérison. Amen. Même si tu as un problème, tu vois la promesse, tu acceptes, tu oublies que tu as telle difficulté, tu attends, tu as la patience, et le Dieu qui a promis, il accomplira ce dont tu lui demandes. Voilà la patience. Amen. 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 Frère me dit, c'est entièrement terminé. Voyez-vous, ayez de la patience. Quand il dit entièrement terminé, c'est-à-dire tu peux même sentir des symptômes. Mais pour toi, c'est entièrement terminé. Il dit, si vous avez de la patience, si vous n'en avez pas, cela va se friter et vous allez tomber de cet édifice. Il dit, vous voyez, cela fera crouler tout le reste. Donc si tu n'as pas de la patience, cela va faire crouler quoi? Tout le reste. Et tu peux rester en train de faire des bruits. J'ai la foi, frère. J'ai la connaissance, frère. Pour Dieu, il n'y a rien. Ce sont des poussières qui sont là. La maison s'est déjà écroulée. C'est pourquoi ces vertus, vous devez les avoir en entièreté. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oh non, frère, moi j'ai la connaissance. Et tu viens de la patience, Les choses de patience là. Non. Tu es menteur, tu n'as pas la foi. Même la connaissance, tu n'en as pas. Parce que c'est lui qui manque l'une de ses vertus. Frère madame dit qu'il faut faire écrouler les tout. Manque de patience, c'est qu'il n'y a pas de tempérance. Il n'y a pas de vertu, de connaissance, même de foi. Parce que vous verrez que la personne qui n'est pas patiente, pour savoir qu'il n'a pas la tempérance, vous verrez que c'est une personne qui s'énerve à tout moment. Parce que c'est la tempérance qui gère votre humeur. Très bien. Hein? Et j'aimerais vous dire autre chose. C'est le manque de patience qui rend les gens impolis et irrévérenciés. Une personne qui n'a pas la patience, il n'a pas du respect. Revenez seulement en vous là, vous allez voir que c'est la vérité. Prenez la personne qui a tendance à s'énerver à tout moment. Quand il parle, il n'a pas d'égard pour personne. Hein? Il ne voit ni l'âge, ni quoi. Vous le remarquerez qu'il a de l'impolitesse terrible. Je vais vous lire pourquoi Marthe avait reçu la résurrection de Lazare. C'est parce qu'il avait ça. Vous verrez que devant Jésus, frère Branham dit qu'il avait le droit de le réprimander. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, l'approche là.
une femme dans la détresse, mais ayant la patience. Et devant Jésus, il a parlé avec du respect. Hein? Il dit, moi je ne supporte pas des choses comme ça. Je vais me faire voir quoi? Je n'ai pas encore vu. Quand je verrai, je vais parler. D'ailleurs. Qu'est-ce qui amène ce langage-là? Manque de quoi? De patience. Vous verrez que donc l'autre aussi n'a pas de patience. Après un certain temps, les chemises déjà en l'air. La chemise va la Non, attendez de me corriger. Attendez de me porter correction. Des païens. Mon pagani. Parce que le message est clair. Quand vous n'avez pas la patience, toute la maison s'écroule. C'est qu'en toi, il n'y a même pas la nouvelle naissance. Vous continuez à aimer Frère Branham. Est-ce que vous continuez à le croire? C'est le prophète qui parle. Une fois qu'il n'y a pas la patience, tout le reste s'écroule. Il n'y a rien là. Donc tu es la personne qui doit tout recommencer. Et Frère Branham dit cette unique chose. Vous devez avoir cela. Ne l'ajoutez pas parce que cela va démolir votre bâtiment. Si vous n'avez pas de la patience, et si vous n'avez pas de la vertu à ajouter à votre foi, comme vous dites en avoir, si vous n'avez pas de foi et que vous essayez de poser la vertu sur cela, ça va démolir votre foi. Vous direz alors, eh bien, attendez une minute. Peut-être qu'après tout ceci n'est qu'une erreur. Peut-être que Dieu n'est pas Dieu. Peut-être qu'il n'y a point de Dieu. Voyez-vous, vous casserez la chose en deux. Une fois seulement que vous commencez à manquer de patience, est-ce que Dieu vraiment il est Dieu? Vous cassez la chose en deux. Et qui casse? Vous-même. C'est quoi le prophète dit? L'ennemi de Branham, ce sont ses prochains, ses parents, sa tante, son oncle. C'est qui? Branham lui-même. Et Frère Branham dit, si William Branham peut s'écarter du chemin, Dieu fera quoi? Des grandes choses. Amen. Et Frère Branham dit, voyez-vous, mais si vous avez la foi authentique, allons poser sur elle la vertu authentique, puis la connaissance authentique, puis la tempérance authentique, puis la patience authentique. Vous voyez, vous gravissez les échelons. Amen. Seigneur, que je monte aussi. Je vais aussi. Pour monter les échelons, il faut quoi? La foi authentique, vertu authentique, connaissance authentique, tempérance authentique, patience authentique. Vous êtes en train de faire quoi? De gravir les échelons. Et Dieu est en train de devenir de plus en plus réel. Regardez William Branham d'autrefois. Et William Branham, d'après quand il a reçu Jésus, c'était William Branham différent. Le premier, il était prêt à tuer quelqu'un. Mais le second là, il avait la douceur. Amen. Amen. Les esprits séducteurs.
97 à 102, écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est comme un petit bébé. J'ai remarqué mon petit bébé qui est au fond. Il dit là-bas, sa mère essayait de lui mettre sa petite veste. Ce matin, il voulait mettre son petit bras dans la manche. Il n'arrivait pas à mettre son bras. Son bras dedans. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on guide son petit bras. Il veut mettre son bras dedans. Mais il se démène partout autour. Il n'arrive jamais dans la manche. Il sait qu'il n'est pas dans la manche. Et vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand vous êtes encore là à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Frère Benham dit, quelqu'un qui ment, qui est en train de médire, c'est une personne qui n'est pas en ordre avec Dieu. Dites amen. Dites amen. Ça, c'est Frère Banam qui l'a dit. Et Frère Banam ajoute encore. Il dit, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Peu importe de combien d'églises vous êtes membre. Tant que votre âme n'a pas été convertie, frère. Et ça, c'est à l'ancienne mode. Mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra du jus dans votre âme. Exact. Il essaye de mettre son bras dedans. Il lui faut quelqu'un pour l'orienter. Lui montrer comment mettre son bras dedans. Alors une fois que son bras est dedans, sa petite veste, là il sait tout va bien. C'est pareil pour chaque chrétien. Né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Et il constate qu'il est aligné sur elle. En tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Donc quelqu'un qui a Dieu, qui est vraiment chrétien, mais de nouveau, il n'est pas agité comme une mer. Il n'est pas ballotté. Il ne se tracasse pas. Pour chaque petite chose qui arrive, un petit rien, il commence à. Un véritable chrétien qui est né de nouveau, quand quelque chose lui arrive, il ne se tracasse pas. Il est très calme. Il a la patience. Il sait que sa vie appartient à Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, il ne saute pas ici et là. Comme un bouchon de liège sur un océan battu par le vent. Il est inébranlable. Son cœur est pire. Ses pensées sont pires. Ses intentions sont pires. Son choix est le bon. Son choix. Il est bon. Et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. Et Frère Branham ajoute, l'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné par la parole de Dieu. Il a l'amour divin, de la piété dans son cœur à l'égard de tous les hommes et toutes les femmes. Il s'est abstenu des choses du monde. Pour lui, elles sont mortes. Il n'en veut plus. Mais vous ne pourriez pas
et à sortir avec ça pour rien au monde. Non. La personne qui a la patience, il ne se tracasse pas, il n'est pas agité, il ne saute pas ici là-bas. Non, parce que telle chose est arrivée. Non, il est calme. Mais celui qui n'a pas de la patience, c'est-à-dire quand vous n'avez pas l'une de vertu, c'est que celui qui n'a pas ces vertus-là, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a un problème, il saute ici, il est là-bas. Et la finalité, ce sont des problèmes. Et ça complique la vie des gens comme ça. Amen. Regarde ta vie. Est-ce que tu es agité, toi? Est-ce que tu es ballotté, toi? Quand des problèmes arrivent, est-ce que tu as de la maîtrise? Est-ce que tu es inébranlable? Une personne stable dans la vie. Les choses arrivent, c'est comme si ça n'est pas arrivé. Il est très à l'aise, il reste dans sa peau. Il garde son cœur pur. Il a de bonnes intentions. Parce qu'il y a des gens là, quand un problème arrive, ce sont des mauvaises intentions qui commencent. Des mauvaises intentions. Combien ici en ont? Tout ça pourquoi? On n'est pas né de nouveau. On n'a pas la patience. Comme cet homme a fait ça. Je ne suis pas les champignons. Non, non. Je ne vais pas pourrir moi ici. Moi, je vais l'éprouver aussi. Et de mauvaises intentions arrivent. Comme il est sorti, je dois aussi sortir. Comme il est sorti, je dois aussi sortir. Ça ne peut pas venir dans une fille de Dieu née de nouveau. Il y a ses vertus. Elle reste dans la parole. Et combien ici il y a des couples qui se règlent des comptes ici? Comme elle a fait. Attends, que je suis un homme. Il est sorti, moi je suis un homme. Ma mère, quand elle m'avait mis au monde, elle me jetait à l'air, elle disait, le mari de femme, je vais la prouver que je suis un homme. Des mauvaises intentions. Et quand vous êtes devant un problème, vous avez des mauvaises intentions à l'endroit de Dieu, à l'endroit de ton frère ou de ta soeur, tu n'es pas encore chrétien. Un chrétien, même si un problème surgit, je garde de bonnes pensées, de bonnes intentions, je garde mon cœur pur vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur. Et je vais faire l'effort de continuer à l'aimer comme je l'aime. Pourquoi j'ai de la patience? Je peux me dire que ce n'est pas lui, c'est le diable qui a fait ça. Je l'aime, je dois prier. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? La guerre naze. La guerre commence. Ah, vous ne me connaissez pas bien dans cette église. Je vais vous faire voir qui je suis. C'est toi-même qui vas voir. Amen. Et vous, les filles de Dieu, si vous êtes nés de nouveau, frère Branham dit que vous ne vous habillerez jamais dans les habits indécents et sortir avec cela. Quand vous voyez une fille mal habillée, elle sort dehors avec cet habillement, c'est la preuve qu'elle n'est pas née de nouveau. C'est encore une païenne. Et frère Branham continue toujours dans les esprits séducteurs. Il dit c'est la preuve qu'il a des esprits impies. Il a des démons. Il dit chaque fille qui s'habille pour aller s'exposer devant les hommes, elle a des démons. Et frère Branham dit souvenez-vous de Nathan.
binti ule na Nebukadnezar anakuwa binti le roi là aule mfalme ule samani sikusikia faba na mjuke cet homme na bien anasema ule mtu il avait reçu l'esprit de bœuf alipata roho ya Mungu ya Mungu. Il a reçu un esprit de bœuf. Tu es prédicateur, tu dois comprendre ce que je dis. Et frère Banam dit qu'il s'est retrouvé en train de brouter des herbes comme un animal. Et les ongles ont poussé. Pourquoi? Il avait un esprit impie. Les sœurs, est-ce que vous m'entendez très bien? Quand vous voyez une sœur, les ongles, même un homme. Il y a déjà un esprit impie. C'est pourquoi vous verrez que toutes ces prostituées qui ont de mauvais esprits, ils aiment toujours mettre des histoires pour que les oncles soient. Et tu veux voir, oh non, vraiment, pour bien se gratter, ce sont des mauvais esprits que tu as. Il faut acheter tous les maboukouches, ni rochafou. Déjà des habits indécents, c'est un mauvais esprit. Ne pensez pas que j'ai lâché. Non, je continue. Il arrivera un temps, tu es mal habillé, tu n'entres pas là-bas. Qui t'a fait wakati? Où est on te contrôle à partir de là. Tu m'as quand tu nous y a pas le dans la douceur. Katika upole. Mais il y a l'esprit de Dieu. La qui tu cours na roya mu. Serve. Une fille de Dieu ne s'habille comme. Mtoto wa Mungu, binti wa Mungu avalake hivi. Va te changer. Wende badilisha manguo. Après tu reviens à l'église. Kisha rudia mkanisa. Ni biaje hivi, ni bia parole. C'est quoi ça? C'est la parole, ni neno. Amen. 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 Amina. Est-ce que les sœurs vous m'entendez très bien? Hey, badada mnanisikiliza vizuri. Parce que je ne répondrai pas pour vos sangs. Kwa sababu mimi sipendi kujibu juu ya damu yenu. Pourquoi j'aimerais être dire dans ce temps. Je m'appelle kwe mukali. Sur la piement des femmes. Tu as ma valio ya wanawake. Dès que tu sens déjà quelque chose ou que tu ne sais pas bien marcher, enlevez ça. Inakuhusu kutembea wewe kitosha. Usikilete hapa. Et si tu es une fille de Dieu née de nouveau, kama kwa binti ya Mungu anasema uti. Prie directement. Choma ile mara moja. Ou bien chercher la personne. Ama utafute tu basi mtu. Qui est mince par rapport à toi. Iko basi mepamba kwako. Donnez-lui. Umupatie ile nguo. On n'a pas déjà eu de la masse, l'histoire connue. Tu es devenu comme un poudre. Non, non, pas ça. Toi-même, tu ne sais pas bien marcher. Avec tes hauts talons, là, tu es même sur le point de plaire à maintenant, tu cherches quoi aujourd'hui? Toi-même, tu ne marches pas bien avec ça. Kama tu n'es pas ile. Dans la paix avec ça. Na amani na ile pourquoi yako? Tu existes? Una kaza kwa nini? Tu es en prison. Uko katika jereza. Tu es un esprit diabolique. Uko na roya kipepo qui te fait souffrir comme ça. Na, wezi kuteseka vile. Femme na mjiki, il a vu des femmes avec des hauts talons en enfer. Na bien nasema, aliona wanawake na ma hauts talons. Ule kuzimu. Maintenant, si toi tu es candidat du ciel, sasa kama wewe uko candidat pourquoi porteras-tu des hauts talons? Kwa nini uvale ma hauts talons? Yetu ya birefu bile. Parce que chacun est influencé. Kwa sababu kila moja anashawishiwa ama kuvutwa. Amen. Amina. Là où il vient. Na kule kwa natokea. Si tu es influencé du ciel, kama basi unavutwa na mbinguni. Tu vivras la parole. Na unaishi neno. Si tu es influencé de la kama fer, umevutwa na ushawishiwa na kuzimu. Tu seras là comme ça. Avec tes hauts talons. Aina ma hauts talons. Pourquoi tu viens de l'enfer? Kwa sababu unatoka kuzimu. Amen. Amina. Prédicateur, tu veux dire quoi par là? Je veux dire que les hauts talons n'ont pas de place ici dans cette église. Est-ce que je peux entendre amen chez le Seigneur? Même si vous ne dites pas amen, c'est la parole. Et ça sera comme ça. Que Dieu me donne de l'argent. Je vais acheter des perpètes.
Jésus, anasema Yesu, Seigneur,
était ici. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que c'est comme ça que tu fais aussi? Tu peux voir un homme quand les choses ne marchent pas, il est fâché. Il est en train de suyer son âme, son cœur. Se pense avec de mauvaises histoires. Très énervé contre Dieu. Prêt même à jeter la Bible. À jeter le message. Je lui ai demandé, il n'a pas fait. Mais Marthe n'a pas fait cela. Il a dit, il n'était pas beau à voir. La Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'était un petit homme maigre. Peut-être, mais lorsqu'il a redressé son petit corps, il a fait une déclaration que personne ne pourrait faire. Vous ne ferez jamais. On ne pourrait faire dans l'avenir. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Jamais même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Il a dit, crois-tu cela? Il a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ qui devait venir dans les morts, le Fils de Dieu. Voilà, voilà, une femme au cœur brisé qui désire quelque chose, qui avec patience se tient devant le maître des circonstances et qui dit, tout espoir est perdu, mais en toi rien n'est perdu. Amen. Pour elle, tout espoir était perdu. Et regardez qu'elle avait un cœur brisé. Elle était dans les douleurs, mais devant le Seigneur, elle se tient là dans la patience, attendant, avec un cœur brisé, tout espoir perdu. Et toi qui es en Dieu, tout espoir n'est pas perdu. Mon frère, ma soeur, peut-être devant toi tout espoir est perdu. Mais sachez une chose, faites comme Marthe. Seigneur, pour moi tout espoir est peut-être perdu, mais en toi tout espoir n'est pas perdu. Rien n'est perdu à Christ. En Jésus, rien n'est perdu. Amen. J'aimerais vous dire une chose, que si tu étais déjà découragé, désespéré, ce soir, relève ta tête. Dites, oh Seigneur, en toi, rien n'est perdu. Peut-être à ton niveau, tu as perdu le travail, tu as perdu la santé, tu as perdu l'argent, tu as perdu le marché. Amen. Peut-être tu as perdu le bien de ce monde, mais laissez-moi te dire, ce que tu vois être perdu en Jésus, rien n'est perdu. Et Jésus est notre banque. Jésus est notre financier. Amen. C'est lui qui détient notre richesse. C'est lui qui détient tout ce qui nous concerne. C'est en Jésus. Peut-être à notre niveau, tout est perdu, tout espoir perdu, mais en Jésus, rien n'est perdu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est ce qui a amené Marthe à être patient. Oui, à notre niveau, dans notre maison, on a perdu Lazare. Nous l'avons enterré. Je sais là où nous l'avons enterré. Mais je sais, Seigneur, qu'en toi, rien n'est perdu. Il y a encore de l'espoir. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, reprends courage ce soir. Tout ce que tu penses avoir perdu, rien n'est perdu. En Jésus, rien n'est perdu. Je crois que le même Dieu là peut te rétablir, peut te restaurer. Et ces choses sont arrivées pour cultiver cette
cette vertu de la patience. Il est fatigué, toi éprouver aux gens que en toi il y a les qualités des enfants de Dieu. Et Dieu voulait que les gens les voient. Et malgré que tu as tout perdu, tu gardes l'amour, tu gardes l'affection, tu es toujours fidèle à Jésus, tu continues à l'aimer. Et quand tu veux prier, tu l'adores dans la prière. Mon âme t'apprécie, mon âme t'élève. Tu es plus que toute chose pour moi. Qui d'autre aurais-je dans ce monde si ce n'est que toi, Jésus? Tu es le saint, tu es l'incomparable, sans pareil, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je suis à genoux pour te dire que je t'aime. Malgré ma souffrance, malgré l'humiliation, malgré les injures, malgré la pauvreté, malgré que j'ai tout perdu, Seigneur, je t'aime. Malgré la stérilité, Seigneur, je t'aime. Et quand Dieu regarde, je le savais. Je le savais. C'est mon fils. C'est ma fille. Voilà un autre jour sur la surface de la terre. Un homme comme ça, une fille comme ça, je peux que le rétablir. Je peux que la donner la joie. Je peux que l'élever encore. Je peux que suyer les larmes. C'est pourquoi ce soir, toi qui étais désespéré, reprends courage. Jésus, rien n'est perdu. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. En Jésus, rien ne perdit. Rien.